Et bienvenue, chères aventurières et aventuriers confinés. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir Road Not Taken, un petit jeu de réflexion. Si vous n'avez pas encore regardé mes précédentes suggestions pour nous occuper pendant ce confinement, je vous invite à aller les voir. Road Not Taken est un jeu de casse-tête au tour par tour, qui est uniquement du solo et qui est jouable à la manette. Il est disponible en français pour le prix de 14,99€. Comme mes précédentes suggestions, il est trouvable pour moins cher en promotion. Donc Road Not Taken, qu'est-ce que c'est? On va y incarner un garde forestier qui doit sauver les enfants perdus dans les bois. Ici, point de combat, même si les bois sont emplis de danger, seul notre esprit va nous permettre de nous en sortir, et surtout de faire sortir les enfants des bois. C'est un petit jeu mignon, mais qui vous demandera beaucoup de mémoire et de réflexion pour arriver à la fin d'une carrière. Et on va aller voir ça tout de suite en jeu. Donc, nous voilà dans le village. On commence, comme vous pouvez le voir, en bas à l'année 1. Donc il y aura plusieurs années. Oh, c'est mignon, il neige. Donc on aura plusieurs années à réaliser pour arriver au bout de notre carrière. Et on incarne ce petit personnage avec sa petite flamèche bleue et son petit capuchon. Donc le principe du jeu est plutôt simple. On peut interagir avec les gens et les objets en se cognant contre eux. La fontaine ouvre son cœur à l'air mordant. Sur une plaque est écrit « Un homme travaille, l'amour des enfants, cette destination est pour toutes les âmes vertueuses. » Donc on peut également se cogner contre les gens pour leur parler. Bonjour ! Comme on vient d'arriver en ville, les gens sont un peu méfiants envers nous. Rien ne vaut le parfum du riz frais ! N'êtes-vous pas d'accord ? Et les gens vont se confier à nous. Lui, par exemple, on sait qu'il aime bien le riz. On va pouvoir se souvenir qu'il aime bien le riz. Et quand on aura du riz, on pourra lui en faire cadeau. Non, je veux pas revoir mes bases. Non. Lui, c'est un petit personnage spécial. Sachant que tous les personnages sont un peu stéréotypés. Peut-être à plus tard. Mais ils sont différents en fonction des parties, et du coup ils aimeront des choses différentes si jamais on veut leur faire des cadeaux. Et les dialogues vont être différents également. Elle vous salue d'un signe de la tête. Si j'interagis avec les musiciens, on va avoir les crédits du jeu. Elle vous regarde dans l'expectative. Ici, on a le maire, qui nous regarde également dans l'expectative. Tout va bien. Et ici, quelle magnifique journée! Donc on a trois gnomes. J'ai joué un peu, donc j'ai débloqué les deux gnomes du bas. Donc le premier gnome nous permet de jouer en difficulté normale. Une tempête rapide a piégé les enfants dans la vallée ouest. Le deuxième, il nous permet de jouer en difficulté difficile. Un blizzard règne sur la forêt profonde. Ce n'est pas un chemin facile, mais il paye mieux. Et le troisième nous permet de jouer en mode chronométrie. Sauver tous les enfants en 4 minutes ou moins. Donc pour cette première année, on va le faire en normal. Ça permettra de vous expliquer un peu le concept du jeu. Donc, on démarre toujours dans une zone qui ressemble à ça, avec le maire et au moins un parent. Et on a la forêt qui est divisée en zones. Et dans chacune de ces zones, il y a des objets. Donc on arrive sur une zone qui est déjà bien foutue. C'est-à-dire que, en fait, normalement on a des passages qui sont bloqués. Et ici, en fait, le passage est déjà débloqué. Puisque le passage est déjà avec les trois... ce qui ressemble à des yétis. Des yétis pas du grand froid, on va dire. Donc il y a déjà trois yétis qui sont ensemble, ces trois-là, donc on peut déjà passer. Il n'y a pas d'enfant. Ici, il y a deux enfants qu'on va devoir ramener aux parents.
Ils exagèrent quand même un peu, hein, à deux cases de distance. Donc en fait, notre pouvoir, c'est qu'on peut attraper les objets et les repousser loin de nous. C'est plutôt pas mal comme pouvoir. Et il faut réussir à amener les enfants aux parents, ou les parents aux enfants, et réussir à survivre. Puisqu'en fait, en haut, à gauche, vous pouvez voir qu'on a une jauge qui est de 90. C'est une jauge d'énergie. Donc c'est une jauge qui va être mangée, par exemple, si je passe sur les esprits sont dangereux et mangent notre énergie, ou si je décide de porter les objets plutôt que les lancer. Mon énergie va également être mangée. Donc là, il nous faut 3 taupes et 3 yétis. On n'a pas ce qu'il faut ici. On va aller voir si on n'aurait pas ce qu'il faut là. J'ai pas de taupe. Je dois pouvoir ramener un yeti. Donc en fait, quand on lance les objets, sauf quelques exceptions, ils sont toujours lancés très loin. Donc il faut réfléchir au mieux pour réussir à faire les combos. Vous voyez ici, on a la petite spécificité qui est que les yétis rebondissent sur les objets. Ce sont des spécificités à prendre en compte pour certains. Donc ici, on a un parent et un enfant. On va faire ça. Donc ici, on vient de faire un combo. C'est-à-dire qu'en combinant des ruches, on a fait du miel. Et en fait, ça, on va le voir dans notre livre des secrets. Dans notre livre des secrets, il y a tout un tas de secrets. Donc, vous voyez, il y a un total de 213 secrets. Et, voilà, pot de miel. Le pot de miel est faisable à partir de 3 ruches. Ou, si on... Oui, on... Ok, si on arrive à mettre une lance sur un ours ninja... sachant que ça, ce sont les deux recettes pour le créer, mais aussi des recettes qui le consomment. Vous voyez, on a ce qui ressemble à de la gelée, qui nous coûtera 3 pots de miel. Donc, on pourrait, si on voulait, combiner les pots de miel. Là, j'ai pas de quoi en avoir 3, là, des pots de miel. Donc, Voilà, et le miel fait partie des différents aliments qui se mangent et qui nous permettent de restaurer notre énergie. Donc c'est aussi intéressant de voir ces combos-là pour gagner un peu plus d'énergie. Ah, j'avais un autre pot de miel ici, donc j'aurais pu combiner les 3 pour y arriver. Ici, je vais faire ça. Manger le pot de miel. Voilà. Et on ramène le dernier enfant aux parents. Les enfants disparus sont retournés sains et saufs chez eux. Ouais! Donc on peut parler aux mères. Nous les avons ramenés sains et saufs.
Une autre année est passée. Il nous reste 14 années avant la retraite. Donc on a des petites stats sur notre année. Et on voit qu'en fait, on garde une certaine partie de l'énergie. C'est-à-dire on gagne 50% de l'énergie qu'on a gagnée. Donc on a tout intérêt à trouver du miel et autres nourritures pour engranger de l'énergie pour l'année suivante. Vous faites partie de notre village à présent. N'hésitez pas à utiliser la vieille maison. Voici la clé. La clé de la maison. Ouvre votre maison. Ben allons voir cette maison. Dans notre autre maison, il y a cette petite chose. Le chat ronronne et se frotte à vous. Il est si content. Donc le chat est pot de colle. Si jamais vous voulez vous en débarrasser, votre pouvoir fonctionne également. Par contre, lui, il est moins content. Donc, dans votre maison, vos pouvoirs donc, fonctionnent et surtout ne vous coûtent pas d'énergie. Et on peut faire des combos en faisant certaines choses, comme casser des vases. On a aussi ici sur les tables des breloques que l'on peut équiper. Donc ici on a la fourchette du repas en solitaire qui nous vaut plus 10 d'énergie. Je vais le prendre. Et ici on a la tasse à café géante. Vu que j'en ai droit 2, je l'équipe également. En fait, quand vous commencez une nouvelle partie, vous avez de base les deux breloques que vous aviez équipés la dernière fois que vous avez joué. Sachant que des breloques, on peut en trouver un certain nombre, puisqu'il y a pas mal d'emplacements de prévus pour non, tu veux pas que je me lâche mon. Non, tu veux pas, j'ai pas le passe. Donc on peut se balader avec nos pots et s'amuser à les péter. Donc, je m'amuse pas à les péter pour rien, hein, c'est parce qu'il y a des choses dans votre livre, des combos avec les petits vases brisés et les grands vases brisés. Donc on peut réussir à obtenir des choses. Même si ça n'a pas grand intérêt pour le jeu. Là, j'ai pas réussi à faire de combo en allant à l'arrache. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre dans notre maison? On a ici la clé de notre maison, donc on vient de recevoir, et ici la forêt du travailleur, qui nous donne accès à la forêt mortelle. On a un petit lit, on a toujours le chat, et on a un sous-sol, où on a un certain nombre d'objets qu'on peut interdire dans la forêt, sachant que là aussi, la liste des objets peut être très grande. Hop, on va doucement. Voilà, donc, puisqu'on est revenu en ville, on va réinteragir avec les gens. Le bel homme proclame « Je suis complètement juif. J'ai chanté pendant toutes les funérailles. Pourquoi, ô Seigneur, insiste-t-il à les garder dehors? Encore, c'est une bonne façon de joindre les deux bouts, surtout cette hiver. » Donc on pourrait éventuellement lui partager notre riz. Parce qu'on a, on a ça, on a du riz. Voilons-y. Scott attrape le riz. Vous avez lu dans mon esprit. Donc déjà on apprend qu'il s'appelait Pell Scott. Cool. Je meurs de faim! D'habitude, j'irais offrir ça au sanctuaire. Mais cette année, les choses sont différentes. Je vais plutôt me remplir le ventre. Et du coup, on remplit une petite jauge qui nous permet de devenir connaissance. Hé, hey, regarde ça! Donc il nous donne une corde de liens sociaux qui nous donne
avec des parents. Ouais, why not? Et la bug du consentement, les esprits ténébreux apparaissent plus tard. C'est plus facile. Ok. Donc, en fonction de vos relations avec les villageois, vous allez pouvoir, en fait, avoir différents bonus qui vont soit vous donner des objets comme les breloques, ou des objets comme le riz, les baies, du cuivre, pourquoi pas, ou des lapins. Voire vous donner des petits bonus d'énergie pour l'année suivante. Elle vous regarde avec méfiance. D'où venez-vous? Ne venez pas ici chercher l'aumône. Je n'ai vraiment rien pour vous, pour qui que ce soit. Donc on apprend qu'elle s'appelle Sam, mais... est-ce qu'on peut lui donner notre riz? Est-ce qu'elle est contente? J'aime donner à manger aux oiseaux. Ils doivent avoir faim, eux aussi. L'avenir est radieux. Voilà, donc on commence la prochaine mission avec plus 5 d'énergie. Donc ça, c'est cool aussi comme bonus. Ils peuvent aussi nous donner parfois des secrets. Mais bon, là, mon inventaire commence à être un peu vide. On va quand même interagir pour savoir un peu ce qu'ils disent. Les enfants étaient partis dehors cueillir des baies. Puis le mauvais temps a frappé. Burk, c'est bien triste pour les affaires. Le village entier dépend de la cueillette des baies. Donc là, je n'ai plus rien à partager. Ah, un client! La femme bizarrement vêtue joue avec son masque. Je vends des remèdes qui retardent des maladies incurables. J'ai vraiment hâte d'en savoir plus sur vos affaires. Et ici, on a... Quoi, un étranger? Je pensais connaître tout le monde par ici. C'est un réel plaisir de vous rencontrer. D'où venez-vous? Êtes-vous déjà marié? Je ne le suis pas. Donc, êtes-vous déjà marié? Ça veut dire qu'on peut éventuellement se marier. On peut monter de rang suffisamment pour se marier avec les personnages. Vous ne risquez pas de répondre, car elle commence à crier. Hé, tout le monde! Quelqu'un de nouveau vient d'arriver en ville! Donc là, je n'ai plus rien à partager, donc on va pas partager. Je pense qu'on va faire une mission en mode un peu difficile pour vous montrer un petit peu des choses un peu plus compliquées. Puisque j'espère qu'on aura des choses. Alors, des choses. Des arbres. On a ces pierres là qui ont la bonne idée de changer de couleur quand on les lance. Bien évidemment, la couleur est importante. J'arrive pas à comprendre ce qu'il faut pour la lancer. Et donc ça c'est très lourd, ça me coûte 2 quand on lance. J'aimerais bien comprendre. Ouais, des fois... Faut réussir à y arriver avec un peu de complexité. Donc ici, c'est déjà bien chargé. Et on a un ours ninja qui ne va bouger que si on bouge. Et qui va nous empêcher de faire des choses. On a aussi une cochonnerie d'esprit maléfique. Et on a ici une petite dame. Bonjour, le forestier est de retour? Votre bâton est éclairé. Elle marque une pause et regarde à nouveau. Oh, j'ai cru reconnaître quelqu'un, mais non. Peut-être a-t-elle vécu ici trop longtemps. Donc, on a aussi ici, s'ils ne sont pas des villageois, ça y correspond quand même un peu. On peut trouver des gens dans la forêt. Donc ici également, on voit qu'on aurait besoin de 3 pierres rouges et qu'on n'a pas 3 pierres rouges, ni rouges ni bleues d'ailleurs.
qu'il va nous falloir cette dernière pierre. On va devoir aller chercher. Alors, si tu pouvais rester rouge, ça m'arrangerait, mais je te connais. Voilà. Voilà, bien évidemment, tirer plus rouge. Et cet enfant, comment je peux... Attends, ça coûte un peu cher, cette connerie. J'ai pas très envie de m'approcher de l'esprit. Voilà, j'avais pas envie de m'approcher de cet esprit. Ah, pinaise. Ah, ah peut-être crevé, hein. On va aller voir ce qu'il y a ailleurs. Alors, on a ici un panneau de la guilde qui nous dit « Lisez le livre des secrets avec prudence. Les recettes et les indices vous sauveront la vie. » Qui nous dit également « Lancez des objets à travers les portes rend les salles surpeuplées plus faciles. » Et « Vous pouvez vous téléporter à l'abri si vous êtes coincé. » Effectivement, c'est important à savoir aussi. Ici, il faudrait deux arbres. Voilà. On va prendre un pot de miel parce qu'on a pris un peu cher avec l'esprit. Et ici, on peut éventuellement payer, alors ici on n'a rien, pour nous sauver de la mort. Donc ici, on réarrive là. Peut-être un poil mieux là. Oups. C'est pas grave. On va aller en bas. Donc on a une chèvre et des parents. Je peux faire ça. C'est hyper le chemin. Et on a surtout... Voilà, vous avez secouru la moitié des enfants. C'est suffisant pour nous aider avec la récolte de l'année prochaine. Venez me parler si vous voulez revenir à la maison maintenant. Oh, et un petit conseil. Si vous choisissez de déguerpir, faites en sorte de ne pas croiser le regard des parents. Un petit conseil fort avisé, hein, effectivement. Il est préférable de ne pas croiser le regard des parents. Donc, surtout, voilà. Ici, petit combo qui nous permet de faire un feu. Je fais pas un feu juste parce que c'est cool, je fais un feu parce que le feu, voilà, nous permet de nous déplacer avec les objets sans rien payer. Ce qui est plutôt cool. Autre petite spécificité, pas du feu, mais certains objets que quand on lance, on va pouvoir en fait récolter un petit cadeau. Donc ça peut être une baie, ça peut être une pièce de cuivre, du riz, je sais plus si les lapins on peut les obtenir. Sachant que les lapins, vous voyez, ils sont sauvages. Hein. Les petits lapins sont sauvages. Donc il me reste un enfant à sauver. Est-ce que je peux avoir ce qu'il faut? Parce que c'est cochonnerie. Il faut 3 pierres rouges. La nouvelle, c'est que on va pouvoir faire des choses qui vont nous aider. C'est l'avantage là du feu, c'est que... Oups. Oups. C'est pas grave ça, mais... Voilà, on va pouvoir poser les objets sans trop de soucis. La bonne nouvelle, c'est que je vais pouvoir emmener du bois comme un gros... malpropre. Je vais pas le lancer. Oups. Tu m'embêtes.
là, je peux pas envoyer mon morceau de bois puisque il y a déjà un morceau de bois. Je vais lancer un petit peu mon morceau. Je vais l'envoyer. Et voilà. Ça, je triche un peu et j'ai un morceau de bois. Donc, on a la bonne idée d'avoir des lutins qui sont comme des ours et vont nous empêcher de d'avancer. Donc, si je voulais, je pouvais faire ça. Le feu, ça brûle. Hein. Voilà. Le feu, ça aussi. Si bon côté. Les ours. Ils veulent pas toujours bouger. Pas le souci. On va récupérer le riz. Et on va essayer de s'en sortir. C'est le dernier enfant qui nous manque. Donc on va honteusement profiter du fait que c'est le dernier pour le balancer du côté du maire. Ça marche aussi. Tous les enfants disparus sont retournés sains et saufs chez eux. Et du coup, le maire, nous les avons ramenés sains et saufs. Et donc, de nouveau, on a le petit score qui nous dit une autre année est passée, il nous reste encore 13 années à faire. Donc je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Je pense qu'on a vu les principes généraux du jeu. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce. Et je vous dis à très bientôt pour... ce sera Reigns. Petit jeu de cartes. Et je vous dis bye bye!